Salut les gars, c'est Max de la chaîne William Adrien, coach en séduction, et aujourd'hui, je vais tout expliquer pour lui donner envie de toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment donner aux femmes envie de toi, comment donner aux femmes envie de passer du temps avec toi, envie d'apprendre à te connaître. Tout simplement, je vais te partager les trucs les plus importants pour faire en sorte que les femmes te courent après. Alors, on y va après 5 secondes d'intro. Numéro 1, tout d'abord, travaille sur ta confiance en toi. Je sais, c'est un concept très bateau, tu l'entends partout, mais ta confiance en toi, c'est vraiment le truc en fait qui va faire la différence avant que tu ouvres la bouche, avant que tu dises quoi que ce soit. Ta confiance en toi, c'est vraiment le truc en fait qui va faire la différence quand une femme arrive et qu'elle a le choix entre se tourner vers toi, se tourner vers tes potes, se tourner vers les autres mecs autour. Ta confiance en toi, c'est vraiment ce truc que tu dégages qui va lui donner envie de venir vers toi plutôt que vers les mecs autour. Et la plupart des gens, en fait, la confiance en soi, c'est un truc qu'ils sont pas vraiment capables de quantifier. C'est un truc qu'ils sont pas vraiment capables d'expliquer. Quand un homme a confiance en lui, tu vois bien qu'il a confiance en lui, mais en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais pas vraiment, c'est difficile à voir. Ta confiance en toi, c'est vraiment un truc qui se passe à l'intérieur, et on a fait d'autres vidéos à ce sujet, donc je veux pas vraiment aller en profondeur là-dessus aujourd'hui, mais ici, je veux te parler des signes extérieurs de ta confiance en toi. Ces signes qui vont faire qu'une femme va les remarquer et qui vont la faire être intéressée plutôt par toi que par d'autres mecs qui ne montreraient pas ces signes de la confiance. Ta confiance en toi se traduit beaucoup par ton comportement. Si tu es stoïque, ça communique que tu as une certaine confiance en toi. Si par exemple en soirée qu'une très belle femme approche ton groupe d'amis et que tous tes amis sont en mode timide, qu'ils n'osent pas vraiment la regarder, mais que toi tu te tiens droit, tu la regardes droit dans les yeux et que tu souris, tu vas lui montrer que tu as beaucoup plus confiance en toi que tous les autres mecs autour, et ça, ça va la pousser à aller vers toi plutôt que vers les autres mecs. Ce que tu remarques aussi très souvent quand un homme n'a pas vraiment confiance en lui, c'est que quand une femme lui parle, il va se pencher vers elle beaucoup plus que nécessaire, alors qu'un homme qui a confiance en lui, il va être détendu, il va être relaxé, il va être même penché un petit peu en arrière, et ce sont les femmes qui vont au contraire se pencher vers lui pour lui parler. Un autre signe extérieur de la confiance, c'est la façon dont tu parles. Si tu as confiance en toi quand tu dis ce que tu as à dire, même si c'est une erreur en fait, même si tu te trompes avec confiance, si tu dis quelque chose de stupide avec confiance, ce sera beaucoup plus attirant qu'un homme qui dit quelque chose de super intelligent, de super correct, mais en ayant peu confiance en lui. Le fait que tu parles de façon à être entendu aussi, c'est un signe extérieur de la confiance et c'est très important. Ça va attirer l'attention des femmes, non seulement parce que elles t'entendent mieux si tu parles plus fort, mais aussi parce que ça te donne cette impression que tu crois vraiment en ce que tu dis. T'es pas dans cet état d'esprit où tu te dis « je vais pas vraiment parler fort comme ça, si je me trompe, personne va le remarquer ». Non, quand tu as confiance en toi, tu t'en fous en fait. Tu dis ce que tu as à dire et ça, ça montre que vraiment tu as confiance en toi. En fait, le fait que tu aies confiance en toi, ça va développer un petit peu un sens de mystère autour de toi. Les femmes vont se dire « c'est qui ce mec ?» C'est qui ce mec qui s'en bat les couilles, qui ose dire tout ce qui lui passe par la tête sans se prendre la tête, sans se juger? Pourquoi est-ce que ce mec fait ça? J'ai envie d'en apprendre davantage. Là où la plupart des hommes vont se dire « Oh, je dois faire attention à ce que je dis, je dois pas dire de bêtises, je dois pas sortir de ma zone autorisée, je dois pas sortir de ma zone de confort, je dois pas me faire remarquer, à moins que je me fasse remarquer sur des trucs qui, je sais, vont plaire aux femmes. » Là où la plupart des hommes essaient de rester en sécurité comme ça, un homme qui va être capable de se mettre en avant sera beaucoup plus attirant, beaucoup plus confiant, mais aussi beaucoup plus mystérieux. Parce qu'un homme qui est attirant comprend que, ben justement, c'est pas très attirant aux yeux des femmes de faire ce à quoi elles s'attendent. C'est pas très attirant aux yeux des femmes d'aller vers elles et de leur dire « Tu fais quoi dans la vie ? Comment tu t'appelles ? Ah, moi je suis comptable. Ah, aujourd'hui j'ai fait ça au travail, c'était pas super fun. Haha, et toi, qu'est-ce que t'as fait ? » Non, un homme qui est attirant, c'est un homme qui sait cultiver une part de mystère. C'est un homme qui, par exemple, quand une femme va lui demander « Tu fais quoi dans la vie ?», il va la regarder, il va pas vraiment répondre. Il va jouer avec le regard et ça, ça va donner envie à la femme en face de lui de le connaître davantage. Bien sûr, c'est difficile à faire si tu n'es pas vraiment à l'aise dans les conversations, c'est difficile à faire si tu n'es pas vraiment à l'aise avec les silences dans une conversation, mais c'est quelque chose que tu peux travailler et développer et c'est super efficace avec les femmes. Si tu n'es pas vraiment à l'aise dans les conversations, je te recommande les applications de rencontre. C'est toujours plus facile de s'entraîner quand tu es à travers un téléphone que quand c'est en face à face. Si tu veux apprendre quelles sont les tactiques les plus efficaces sur les applications de rencontre comme Tinder, William te prépare une vidéo qui t'explique tout ça, je te mets le lien en description. Maintenant, admettons, tu es un homme qui a confiance en toi, qui sait garder cette part de mystère. Ce que tu dois faire ensuite, c'est de faire attention à la façon dont tu te présentes.
C'est-à-dire que tu dois te présenter bien. Tu dois faire attention à la façon dont tu coiffes tes cheveux, tu dois faire attention à la façon dont tu t'habilles, tu dois faire à la façon dont tu te tiens droit, tu dois faire attention à ta posture, tu dois faire attention à ton niveau de fitness. C'est toujours mieux d'aller à la salle de sport, ça te fait sortir du lot quand tu es bien bâti. Garde à l'esprit que l'idée ici, c'est que si tu te présentes bien, ça va amplifier tout le reste. Maintenant, tu es un homme mystérieux, tu es un homme confiant, tu es un homme beau gosse, et tu vas entrer dans une conversation avec cette femme. Ce qui est très important ici, c'est que tu sois à l'écoute de ce qu'elle te dit. C'est que tu fasses la conversation avec elle d'une façon qui va la mettre à l'aise. La plupart des femmes étant assez bavardes, en tant qu'homme, dans une conversation, quand tu rencontres une belle inconnue, la plupart du temps, tu n'auras pas grand-chose à faire si ce n'est que de mener la conversation. Mais mener la conversation, ça ne veut pas dire faire la conversation. Ça ne veut pas dire parler plus qu'elle. Ça ne veut pas dire meubler la conversation. Mener la conversation, ça veut dire que c'est toi qui vas lancer les sujets de conversation, c'est toi qui vas la faire parler, c'est toi qui vas faire la petite blague entre deux phrases pour la mettre à l'aise, mais la plupart de la conversation, c'est elle qui va la faire. En pratique, ça veut dire que tu vas essayer de te contrôler quand tu es dans une conversation avec une femme. Tu vas essayer de ne pas rire pour rien. Tu vas essayer de ne pas glousser après qu'elle ait dit quelque chose, comme font les filles timides d'ailleurs. Et tu vas vraiment te concentrer sur les émotions que cette conversation lui font ressentir et sur comment mener cette conversation vers quelque chose de plus intime. C'est-à-dire qu'au début de la conversation, tu vas écouter ce qu'elle a à dire pour apprendre à la connaître, tu vas découvrir ce qu'elle fait dans la vie, tu vas savoir c'est quoi son prénom, tu vas savoir d'où elle vient. Mais rapidement, tu vas mener cette conversation vers des sujets un petit peu plus intimes. Et c'est là que tu vas passer à l'étape supérieure de ta relation. Maintenant, en fonction du contexte, ça va être assez difficile. Par exemple, si tu es en soirée, tu vas avoir du mal à rendre ta conversation intime. Mais si tu es en premier rendez-vous, c'est le meilleur moment de faire ça. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'être à l'écoute de ce qu'elle te dit et de mener la conversation. Tout ce que tu dois faire ici, en fait, c'est de garder ton calme et d'être patient. La patience, c'est très important. Tu vas mener la conversation tout en étant patient, tout en la regardant dans les yeux, tout en étant mystérieux, tout en étant à l'aise, et ça, ça va développer une certaine tension sexuelle entre elle et toi. Le fait que tu sois capable d'être là, devant elle, d'être attirant, tout en gardant ton calme et en menant la conversation, le fait que tu sois capable de faire tout ça, ça va développer cette tension sexuelle entre elle et toi. Là où la plupart des hommes vont être timides, là où la plupart des hommes vont meubler la conversation parce qu'ils sont pas à l'aise, le fait que toi, tu ne fasses pas ça, ça va lui mettre en tête cette idée que comment ça se fait qu'il n'est pas comme les autres hommes. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il me regarde comme ça, quand il y a un blanc dans la conversation? Est-ce qu'il est en train de m'imaginer en train de l'embrasser? Est-ce qu'on va vraiment s'embrasser? Et c'est toutes ces questions en fait qui vont mener à cette tension sexuelle. Et pour que ces questions apparaissent dans sa tête, dans la conversation, dans ton interaction avec elle, tu dois être patient. Et enfin, pour vraiment lui donner envie de toi quand tu es capable de faire tout ça correctement, eh ben, tout simplement, tu dois être confiant, voire même un petit peu arrogant, mais sans la mettre mal à l'aise. Parce que si tu ne passes jamais à l'action, si tu n'escalades pas vraiment l'intimité de la relation, tu vas juste devenir ami avec elle. Tu dois mettre en place cette dynamique de flirt. Tu dois mettre en place cette dynamique de drague. Tout simplement, tu ne dois pas avoir peur du fait qu'elle sache que tu es ici parce qu'elle t'intéresse. Et si on n'est vraiment pas, absolument pas dans cette idée où tu vas essayer de la descendre en la blaguant constamment, pour qu'elle ait envie de revenir vers toi et qu'elle te montre que c'est une fille bien, une fille intéressante parce que tu l'as fait se sentir mal dans son ego. On n'est vraiment pas dans une optique où tu vas la vanner pour que du coup, elle se rende compte que tu es un mec intéressant. Au final, les femmes, elles aiment pas les connards. Les femmes, elles aiment les mecs bien, mais les mecs bien qui font les choses correctement. Les mecs bien qui sont capables de leur donner envie de courir après ce mec. Les mecs bien qui sont capables de leur montrer que ce sont des gars intéressants, que ce sont des gars qui savent garder cette part de mystère pour leur donner envie justement de creuser à travers ce mystère pour apprendre à les connaître. C'est d'ailleurs pour ça que sur les applications de rencontre, tu vas avoir un profil qui va mettre en avant de bonnes photos, des photos qui donnent envie aux femmes de te connaître. Là où la plupart des mecs vont prendre 2-3 selfies dans leur salon et dans la voiture, quand tu prends vraiment de bonnes photos qui donnent envie aux femmes de te connaître, là, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile d'obtenir un rendez-vous avec elle. Si tu veux savoir comment faire ça correctement, Willem t'a préparé une vidéo, je te mets le lien en description. Quand tu fais tout ça avec un état d'esprit positif, c'est là que tu vas remarquer que les femmes sont vraiment intéressées et que les femmes vont vraiment commencer à te courir après. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, partage-la à des amis à toi, surtout si tu penses que ça va leur être utile. Abonne-toi, laisse-moi savoir ce que tu en as pensé en commentaire et moi je te dis à la prochaine. Salut!